Hey, salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Et comme vous pouvez le voir, j'ai installé trois photos, trois cadres de la famille dans le petit salon de notre nouvelle maison. Premier, c'est bon, elle est affreuse de presque, elle est toute petite au niveau format. C'est Lorelai en version vieille et Cybelle le jour de son mariage. Cybelle et Louis le jour de leur mariage. Puis Heidi et Gabriel le jour de leur mariage. Et c'est vrai que je me disais. Mince, Carla qui va faire des bébés avec tout le monde, elle n'aura pas sa place sur le truc. Ou en fait, il faudrait que je la fasse en photo toute seule. Ou alors, à chaque fois, elle redemande à son copain, un père, le père des enfants, de l'enfant, à venir et... Oh, à la vie pour qu'elle fasse un selfie avec, pour mettre un peu... voilà, donc on verra bien. Bon, Meryl a vieilli! Allez, bambins, nous allons choisir quoi? Nous allons choisir quoi? Nous allons choisir... Curieuse! Zouf! Alors, petite Mérylette! Toutoum! Regardez-moi cette petite choupette! Oh, elle a les yeux rouges du démon! Mais les cheveux noirs! Ok, bon, bah, ça changera au moins un petit peu. La fille de Robert et Carla. Et est devenue une bambinette. Bon, alors ma petite, voilà, tu vas aller t'occuper. Tu vas faire ça déjà, tu vois. Eh, tu vas déjà faire des. T'entraîner à faire des trucs là. Ah ouais, voilà, qu'est-ce que c'est? Non, on peut rien faire ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Prendre des restes. Non. Qu'est-ce que c'est aussi? Et puis tu vas aller. Oh punaise, ils ont pas encore refait la maison? Oh non, mais il déconne. Tu vas... Ouais, c'est déjà pas mal. Tu me diras, ta compétence sera pas mal développée. Communication, parce qu'après, il y aura la compétence intellectuelle, là, je sais déjà même plus. Bon, bien sûr, après, j'irai la relooker, la coquette. Hein. En tout cas, voilà. Première petite fille. En tout cas, ça y est, elle est bambinette. Mon cœur, là, elle est dans un sale état. Et après, oh, je vais l'envoyer manger quand même. Histoire qu'elle se remette un peu. Ouais, il est 3 h du matin. Ouais, si, tu vas quand même aller manger un truc. Ouais, sinon tu vas crever, donc ce serait dommage de voir notre héritière mourir bêtement. Oui, elle est encore avec son nouveau bébé et... Troisième trimestre en 14 h. Ouais, on n'y est pas encore, hein. Ah ouais. Ce sera dans l'épisode prochain. Oui, c'était 17 h 30, je crois, quand elle a déclaré sa grossesse. Donc, va falloir attendre un peu. Ah, y a la petite, elle commence déjà à chialer. Elle a froid, mais... Change-toi, nénette! Elle est bête aussi, elle. Changer de tenue. Bon, on va prendre celle qui est par défaut. On verra bien l'angoisse. Oh, elle a pas de cheveux! Voilà, comme ça au moins, on a le choix pour les couleurs des cheveux. Alors, elle a peut-être les yeux du démon, mais au moins, elle sera bien. Tu vas... non, parce que t'es fatiguée, Carla, tu vas aller dormir juste après. Je pense que Ludwig va prendre ton relais et il va s'occuper de la petite. Faire apprendre à aller au pot et compagnie. Ah, la pauvre. Par contre, elle a l'air d'avoir du menton. Hein. Est-ce que c'est le menton de Carla? J'ai l'impression que c'est le menton de Robert. Ah, je sais pas. Je sais pas, il faudra voir après. Voilà. Notre petite fille chauve est très triste que la maison soit cassée. Je lui ai remis du coup des jouets dans la chambre pour qu'elle puisse s'occuper pendant que les grands dorment. Oh, allez, un gros P, rien que pour vous en cadeau. Quelle dégueulasse. Bon, allez. Répare la maison. Au lieu de pleurer qu'elle soit cassée. Ça ira mieux, vous allez vous sentir bien mieux avec une maison réparée parce que ça. Ah oui, non, elle est immature, la petite Carla. Ah oui, c'est ça. Ça aide aussi, hein. Et puis tu vas apprendre à ta fille à utiliser le pot. Comme ça, ce sera fait. Ouais, puisque là, elle va commencer à avoir envie d'aller sur le pot. Petite chose, est-ce que je mets des poissons? J'ai jamais fait. On va. Remplir entièrement de poissons. Oh! Ah ouais! Ah ouais, voir poisson.
Arrête d'aller pleurer, t'es chiant, Ludwig. Voilà, regarde comme ils sont beaux nos poissons, ça c'est un guppy, ça je sais, poisson rouge, après ça j'en sais rien. Mais ils sont beaux? Allumer la lumière, oui, bah voilà. En tout cas, voilà, on a un super aquarium avec des super poissons. Elle lui apprend. Toi, tu vas nous faire à manger. Tu vas nous cuisiner la salade. Parce que comme ça, tu vas pas foutre le feu à la maison. Tu l'as déjà fait, faut pas déconner. Et alors, comme on a un magnifique arbre à chat sublime et la gamelle, et que je voulais déjà adopter un chat, on va, je pense, adopter un chat. On va appeler les services d'adoption. Mince! On est effectivement le jour de l'an. Je sais plus si on a la petite boîte. Je sais plus si tu nous l'avais mis, la boîte, quelque part. Je suis pas sûre. On va la mettre là. Ici, ça a très bien sa place. Hop! Comme ça, on pourra décorer la maison. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. On va pas non plus exagérer la chose. Ok. Et puis, on verra après pour décorer. Allez, un concert de prout encore pour que Meryl arrive à faire dans son pot. Mais vous voyez, elle y arrive. Donc, ah, c'est dégueulasse. Franchement, les développeurs Sims, ils ont tellement dû se marrer quand ils ont fait les proutes et compagnie sur les Sims, quoi. En même temps, ça va mourir de rire, quoi. On s'y attend pas. Autant il y a des trucs qui sont réalistes, autant il y en a, ça l'est pas, quoi. Donc ça me fait rire. Tu vas lui donner à manger. Pour l'instant, je garde les sièges hauts. Je dis pas que je vais le garder tout le temps, hein. Pour l'instant, en tout cas, je le garde. Elle va lui donner à manger dans son truc là. Et puis, tu iras manger aussi, cocotte, hein. Tu vas prendre une portion de la salade que ton frère a fait avec amour. Et c'est pas médiocre pour une fois, donc c'est bien. Et toi, faut que tu te cases, hein. Faut que tu te cases. La petite qui est chauve, quoi. Bonjour, quoi. Alors, la chérie, elle est arrivée. Tu vas pouvoir te plaindre. Conversation profonde. Oh oui! Alors, la discussion dans les toilettes. Magnifique. Je meurs de... Non, on va pas aller déjeuner, non. Parler du temps ensoleillé. Bon, on va augmenter un peu la jauge d'amitié. Quand même. Et puis après, on va attaquer et puis on va lui faire des petits bébés à cette dame, hein, quand même. Allez, allez. Il est maintenant joueur, toujours dans les chiottes. On va essayer de draguer. Toujours, toujours draguer. Toujours, toujours draguer. Dans tes toilettes, c'est super. Voilà. Elle est là. On y va à fond. Premier baiser. Allez, Ludwig. Tu peux le faire. Ludwig. Ludwig. J'entends la petite. Elle est réveillée. Ouais, je sais pas ce qui se passe à côté, mais. Non, on ne parle pas à Joris. Oh oui! Youhou! Alors maintenant qu'elle est à toi, cette demoiselle, tu vas pouvoir lui faire des choses. Allez, go! Essaye de faire un bébé. Essaye de faire un bébé. Ah non, mais moi, vous voyez, bah, vous savez, hein, que... Et dans le placard. Allez, parce que dans le buisson, comme c'est encore plein hiver. Oh non, il doit pisser! Je suis pas sûre que ce soit. Que ça fonctionne, du coup, qu'ils aient une très bonne ambiance de crac-crac. Non, pas t'asseoir. Alors, petite choupette. Tu peux manger, s'il te plaît, la salade du jardin? Ouais, tu manges la salade du jardin? Sortez les bougies. Ah! Oui! Cela fait son effet. La tête de pervers qu'il a, quoi. Toi, tu manges pendant ce temps-là, ma cocotte. Et après, tu pourras retourner il y a 15 h. Non, tu vas jouer à la poupée un petit peu. Voilà, t'as plein de trucs à faire, là. Tu peux même regarder, oh, qu'est-ce que c'est? Et puis voilà, ça sera parfait. Alors, voilà ce que ça donne, la maison, pas dans la tempête de neige, quand même. C'est mieux, hein. Disons que vous l'avez vu en été, sous la tempête, et maintenant vous la voyez un peu mieux. Ah, regardez à quel point c'est dans le détail, parce que là, il y a juste un petit
trou avec les balcons, donc il y avait juste de la neige là et pas ici. Finaise, ils ont bien bossé, hein. C'est magnifique. Hein. Ils ont vraiment fait des trucs superbes pour les saisons, vraiment. Oh là! Oh là, c'est chaud. Oh là là! Hop là! Bon, hein, on va les laisser faire leurs petites affaires dans le placard tranquillement pendant que Carla continue d'écrire. Et la petite, elle est partie. C'est quoi ça? C'est. On les entend comme ça dans le. Ça résonne ou quoi? Ah, c'est flippant. En tout cas, ils sont en train de faire leurs petites affaires et tout va bien. Ah, elle a terminé de son bouquin. C'est une bonne nouvelle. On va du coup mettre tout de suite. Auto-publié. Voilà. De toute façon, t'es pas. T'es pas la mienne. Tu vas prendre le courrier. Voilà. T'as tout pris dans la boîte aux lettres. Très bien. Et t'as récupéré quoi? Je sais pas. En tout cas, t'es pas du tout en état, ma belle. Donc tu vas revenir ici. Tu vas manger. Puis tu vas aller au... Va manger. Et puis tu vas aux toilettes. Hop. Je t'avais demandé de faire un bébé dans le bain à remous, hein. Je suis pas sûre que du coup ils peuvent passer. Si? On va aller voir ça. Si, si, ça passe. Bon, après, c'est avec les grandes vitres comme ça. Ah, elle a du style, cette demoiselle. Voilà, au moins, on est sûr de la... qu'elles sont enceintes quand même. Parce que... quand même, hein, dans le placard, dans le jacuzzi, dans le lit, bah, on visite toute la maison grâce à Ludwig. En tout cas, Ludwig, pour sa première expérience sexuelle, eh ben, il est plutôt pas mal. On va pas se C'est boum! plaindre. Il pue sa mère. Allez, va te laver. T'as été mettre ta crasse dans le jacuzzi, quoi. T'es sympa comme gars. Bon, la petite, faut vraiment que j'aille la relooker, hein, l'occasion. Et je vais oublier. Tu vas. On va adopter un chat, du coup, hein. C'est quoi? Je sais plus. Je ne sais plus comment on fait pour adopter. Ah non, c'est sur le. Non. C'est sur le téléphone. Pff, sur le PC, quoi. Alors, plus de choix. Web? Non, c'est pas ça. Commander. Acheter des livres. Plus de choix. Tu peux pas. Ah, foyer! Oh là là! Adopter un chat. Voilà, on va aller adopter un petit minou et arrêter avec cette petite cafetière-là. Madame, vous faites quoi dans ma chambre en fait? Ah oui, d'accord. Ok, on va regarder les chats, à quoi ils ressemblent. Oh, il est mignon lui. Angora turc. Peluche. Un petit noir. Chaton femelle mochi. Chilo. Une femelle. Est-ce qu'on prendrait. Je sais pas. Rebelle. Un color point short hair. Un mao égyptien. Mao, Mahu. J'aime bien lui avec son petit titre. Alors je déteste ça en fait, normalement. Rudy. Allez, on va choper Rudy. Comme ça. On aura un petit minou et puis il pourra faire la zouave dans son truc à gratter, là, comme ça. On a... Ça servira, parce que LCDMTPO n'a pas fait ça pour rien. Ouais, regardez! Rudy! Salut, mon petit minou! Salut, petit minou! Viens, viens te présenter. Toi aussi, hein, il n'y a pas... Voilà. Présentation amicale. Oh, il est... Eh, hey, qui c'est qui casse encore ma maison, monsieur? Naoki Sakamoto, fais voir. Mais t'es roux, donc. Oh là! Oh la vache! Avec la moustache à la Pierre Nard. Elle est énorme. Alors, Nounou, Minou, Minou, tu vas commencer, donc amical, proposer son amitié. Ok, allez, on adopte. Allez, on va pas faire plus de choix. Hein, voilà. Il est mignon, en fait, il est grand, il me fait penser à un Maine Coon un peu, mais je sais que je suis pas sûre qu'il y en ait dans le jeu. Oui, très mignon. Un petit rouquin, un charou.
Ah oui, hein, tant qu'à faire. Pour une héritière rousse. Ah, madame. Madame est enceinte, tu as réussi, Ludwig. Bravo. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, tu vas pas faire la connerie, toi. Tu viens ici, tu manges, tu demandes à manger à ta mère, et puis à manger. Ouais, allez, manger à Ludwig, on s'en fiche. Hop! Oui, on adopte. On a un petit minou qui arrive à la maison! Ah, Rudy, c'est très bien. Hop! Et voilà, on a un petit chat à la maison. Tout va bien. Ouais. Avec le petit pointeur laser, il s'éclate là, Ludwig. Hein. Pas trop non plus, faudrait pas que tu sois hystérique, hein, mon petit. En tout cas, Rudy, il a l'air de kiffer. Donc, voilà, petit minou à la maison, ça fait du bien. Après deux chiens, on a changé avec les chats. Oh, bah, du coup, tu peux aller te coucher avant de crever, hein, Ludwig, parce que. Ils sont vachement joueurs en ce moment, mais par contre, toi, tu vas pas aller longtemps sur les. Non! Mais dormir, c'est pas du café! Oh, c'est pas possible. Dormir! Dormir! Voilà, c'est bien. Et toi, tu vas dans ton pieu. Ici, dormir, dormir. Avec un D et un R. Hein, un D au début et un R à la fin. Grand Namek. En tout cas, voilà. Le minou. Un beau chat. Un petit rouquin. Qui a rejoint la fratrie des Ugly avec un pull. Oh là, la vache. Le pull est aussi ugly que ce qui. Oh, j'ai eu peur. En fait, c'est juste la cheminée. Mais j'ai dit, what, quoi? Il y a un feu! Mais c'est pas possible. Oh! Il neige encore. Allez! Il est où le chat? Oh, il dort sur le canapé! C'est trop chou! En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Prochaine étape, c'est accouchement de notre amie Carla pour son deuxième bébé et le jour de l'an également. C'est tout un programme, hein. Je pense que ça va être vachement rythmé. Et aussi qu'on la fera tomber enceinte dans le même épisode, parce que voilà, il faut enchaîner le plus vite possible. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à rendez-vous au prochain épisode du Ugly Too Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!